programme de médiateur social axé aux services, tu vas d'abord apprendre à t'ancrer dans ton territoire. Premièrement, tu vas avoir toute une partie de veille sociale, une veille juridique également, et une veille territoriale pour connaître l'activité de ton secteur, de ton territoire. Bien sûr, tu vas être ensuite mené à effectuer des entretiens de médiation et pouvoir écouter les griefs et les défenses de chacune des parties pour pouvoir trouver un terrain d'entente ou un consensus. Selon les situations, tu vas devoir mener des analyses un peu plus approfondies, tu vas devoir prendre connaissance du contexte pour mener aussi à bien tes médiations. Mais ce n'est pas tout, tu vas pouvoir être amené à conduire des ateliers, que ce soit des ateliers pour des structures telles que France Travail ou des missions locales. Tu as également ce rôle de référent social, d'accompagnateur, et tu vas devoir créer des contenus aussi pour véhiculer des messages et faire en sorte qu'ils soient bien compris. C'est tout cet enjeu que nous verrons dans cette formation. Cette formation comprend une partie théorique que tu vas venir suivre dans nos locaux à Ivry-sur-Seine, mais également une partie pratique. Effectivement, ce stage que tu vas effectuer en entreprise est l'occasion rêvée pour mettre en pratique toutes les connaissances et toutes les compétences que tu auras acquises au sein du centre. Cette formation est pensée pour un public en reconversion professionnelle. Que tu sois salarié ou demandeur d'emploi, tu peux bien sûr y accéder. Seules les modalités de financement vont changer. Si tu es salarié, tu peux utiliser le dispositif de transition pro, qui est un dispositif qui va te permettre d'avoir un maintien de ta rémunération pendant ton congé de formation. Et en plus, les frais pédagogiques, notre facture, est également prise en charge. Si tu es demandeur d'emploi, tu peux utiliser les dispositifs existants, mon compte formation, Pôle emploi ou une aide régionale. Bien sûr, nos équipes administratives sont formées pour t'accompagner dans chacune de ces étapes et soulager toute la gestion administrative de ton dossier de financement. Si tu souhaites suivre cette formation en présentiel, tu dois d'abord participer à une réunion d'information dans nos locaux. Ce sera l'occasion pour toi de nous rencontrer et bien sûr de poser toutes tes questions et vérifier si le programme est bien en adéquation avec ton projet de reconversion professionnelle. Nous serons ravis de t'accompagner et de t'accueillir dans nos locaux à Ivry-sur-Seine. Tu as un formateur unique qui t'accompagne tout au long de ta formation professionnelle. Il est vraiment là comme un accompagnateur, un architecte de ton parcours, parce que c'est lui qui maîtrise toutes les compétences relatives à ton titre. Ce n'est pas parce que la formation est en présentiel que nous n'avons pas pensé à toi et à créer du contenu également pour un support de cours. Nous avons développé une plateforme qui s'appelle Osons, qui est pour les bénéficiaires de nos formations, qui est comme un soutien, comme un support de cours, si jamais tu as une absence ou une information que tu n'as pas comprise, que tu pourras retravailler à la maison. Sur cette plateforme, tu vas découvrir des contenus de cours, mais également des exercices et des quiz pour vérifier l'ancrage de tes connaissances. C'est également un réel lien avec la fonction et le service administratif du centre. Si jamais tu as besoin de documents ou quoi que ce soit, nous avons pensé à digitaliser toute cette partie de la formation.